Eh bien salut les amis, c'est Carvana, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le 10e épisode de Super Mario Odyssey, le sol c'est de la lave, sur Nintendo Switch. Les amis, j'espère que ça va super chez vous, votre famille, tout ça, très bien. Moi ça va, tranquille. Dans tous les cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus et on va continuer cette série, mais on me harcèle dans les commentaires par rapport à un truc du jeu qu'on m'a dit et répété. Je sais pas si c'est la même personne, mais en tout cas, il y a au moins une personne qui l'a mis sur toutes les vidéos. Et il y en a peut-être d'autres qui l'ont mis. C'est que Askip. Mais non, en fait, je vais pas vous le dire. Je pense que la démonstration est le plus important dans la vie. Oublions la théorie, faisons la pratique. Les amis, likez la vidéo et c'est parti. Et donc, alors, je fais mon test. Hein. C'est logique. Ok, on s'arrête là. Je pose ma manette. Et j'attends. Voyons voir si on m'a baratiné. Ça arrive souvent. J'aurais tendance à dire que oui. Et même quand Mario s'endort, ça ne marche pas. Eh bien donc on m'a menti. Parce qu'on m'avait dit dans les commentaires que quand on s'arrêtait, quand on laissait Mario rien faire pendant un certain moment, il se reposait et il regagnait des vies tout seul. Alors... J'ai toujours ignoré ce commentaire parce que je me suis dit mais non mais ça marche pas en fait. Enfin genre ça marche si on est en mode assisté, mais je peux pas faire le jeu en mode assisté parce que dès qu'on touche la lave on revient en bulle là où on était. Donc non en fait, enfin genre en fait j'avais raison, ça marche pas, on peut pas. Enfin genre je me disais peut-être qu'ils l'ont activé pour le mode, mais en fait non, on m'a menti. Comme d'habitude on me ment, dans les commentaires on me ment tout le temps. Enfin bref, dans tous les cas let's go. Vas-y, on va passer à 75 Luna di Puissance. Vas-y tout. Et maintenant on va où? Je me souviens de trois niveaux: la cuisine, la plage et les flonflonques. Et bah je sais pas, après il y a aussi celui de Bowser, les ruines et la lune. Et après c'est tout? Bah non, après il y a celui de toute fin, mais bon. On n'est pas au courant, on n'est pas au courant, on sait pas de quoi je parle, hein. Je ne spoil personne. Alors, ok, et donc... Ouais, au pifomètre, pays des neiges ou pays de la mer? Eh bien, ça me paraît très compliqué, parce que les deux, il y a de l'eau, mais il y aura peut-être plus d'eau à cause de la lave. Je crois que Pays des Neiges, c'est plus court. On pourra faire la course. Bon, je préfère le Pays de la Mer, donc allons dans le Pays des Neiges. Ça me... Quoi? Oui, allons dans le Pays de la Neige. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, mais bon. Comme ça, après, on kiffera mieux quand on ira au pays de la Mer. Vas-y, on passe tout ça, allez, on connaît. Et donc, décidément, Bowser, bon truc, sauter, si, c'est bon, essayons, brrr. Voilà, est-ce que ça va crash? J'espère que non, parce que il arrive que quand on a... Ah, voilà, quand on arrive dans de nouveaux niveaux, ça lag. Mais écoutez, effectivement, hein, très reconnaissable, le pays des neiges. Non, pas du tout. Le cadeau empoisonné des broudeaux. Oh quoi? Pourquoi il y a un truc blanc dessus? C'est normal ça? Attendez, mais est-ce qu'on peut aller dans l'eau? Brrr, ça caille! On ferait mieux sur muet, ça m'étonnerait que ça caille. Mais je vais voir, ça se trouve, il y aura plus d'eau. Hein. Bah, il y a l'air de plus avoir d'eau. Ah si, il y a de l'eau! Waouh, cette eau est glace. C'est vrai qu'on prend des dégâts dans l'eau! Qu'est-ce que je fais? Ok, alors je suis dans le caca parce que je sais pas où je dois aller. Je sais pas comment je dois y aller. Ok, on peut se poser là peut-être, mais... Ah! Il y a de la lave, mais attendez, mais... Ah! C'est quoi ce... Ah! C'est quoi ce niveau? Déjà en plus on voit rien, je sais pas où je dois aller. C'est quoi cette blague? Attendez. Aïe! Faut probablement atteindre le drapeau qui est là, mais alors comment? Ça commence bien. Ça fait paniquer en plus l'eau. Le fait que l'eau elle soit gelée là. Attendez. Essayons de faire le tour par là. Wouhou. Oula, il y a aussi de la lave. Par contre, ça va être très pas marrant. Sérieux? Ça va être très pas marrant d'avoir les. Mais c'est une blague. Aïe. Bon bah avec une vie de plus c'est possible. Mais ouais, d'avoir les lunes ici ça va être très pas drôle. En plus Mario il coule comme une enclume. Oh mince. Bah ouais, mais c'est sûr, j'ai une vie de plus et j'y vais sans aucun problème. Mais bon, faut que j'arrive à la garder quoi. Attendez, surtout que je peux pas rebondir sur Capi tant que...
C'est bon. Ah! Ok, très bien, très bien. Écoute, on entend quelque chose sous la neige, non? Ouais, parce qu'il y a un monde ici. Quelle erreur de la lave jusque là-bas. Oh là 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 là. Mais comment vous faites pour marcher sur la lave? Donnez-moi vos chaussures! Ne tombe pas comme Faf en prévenir. Je fais comme je veux. Bon, il n'y a pas des lunes planquées. Le tuyau, c'est pour sortir. Et la musique, c'est trop bien. J'adore cet endroit. Mais là, qui est plutôt problématique. J'ai déjà plus de vie. Alors qu'on vient d'arriver là. Je vois rien. Ok, merci. Bah écoutez, je pense que sauter sur les flonflons, ça peut nous aider. Mais faut déjà réussir à leur retomber dessus. Salut les flonflonks. Bon, alors. Quoi? Attendez, mais c'est pas sympa de m'avoir mis en bas. Mais attendez, mais comment on va faire? C'est quoi ce monde? Je pourrais jamais aller jusque là-bas. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce niveau? J'ai pas du tout pris le niveau qu'il fallait, hein. Attendez, je peux monter par contre. Je crois, hein. Ouais. D'ailleurs, il y a un truc là, non? Il doit y avoir une lune là, non? Il y a de la vie. C'est pas ça qu'on veut. Non. Ok, ok. Non, je vais récupérer la vie et monter. Bon, tant pis, tant pis. Oh, allez, il y a peut-être des trucs, genre je peux aller là. Ok. Lui, je pourrais jamais lui parler. Donc, en fait, déjà, faudrait que j'arrive à avoir la tenue. Et je pense pas, parce qu'il faudrait que j'ouvre une porte. Très bien. Mais en fait, enfin, genre... Là, je progresse, mais pour aller où? On va où, là? C'est quoi ce monde? Pourquoi je décide de le faire? Vas-y, remonte là. Il n'y a pas de lune, si? J'arriverai pas à tout détruire, de toute façon. Peut-être plus loin. Parce que là, une petite lune, pour être tout à fait honnête, ça ne me dérangerait pas. L'effet de la neige est très moche. Ouais, il y a un truc là-haut, mais on peut pas. C'est pas possible d'y aller. Oh là 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 là. Mais que fais-je ici? Mais quelle idée saugrenue j'ai eue. Je sais pas comment j'avais fait pour la louper, mais il y a une lune juste au tout début. Genre juste ici. Bravo à moi. Enfin au tout début. Pas vraiment au tout début, mais genre vous m'avez compris quoi. Alors. Ouah ouah. Attendez, quoi? Je casse les caisses quand je fais un saut mural dessus. Oui bon, ça c'est encore mieux. Super. Et dans les commentaires, vous avez essayé de m'aider aussi pour plein de sauts. Mais genre... Voilà, bon, j'ai essayé de faire un truc que vous m'avez dit. Mais en fait, le problème, c'est que je peux pas trop m'entraîner parce qu'il y a aucun endroit où il y a pas de... Où il y a pas de lave, genre on m'a dit. À partir du moment où je rebondis sur la casquette, si je rappuie sur Y au moment où je rebondis dessus... Bon, je peux essayer, de toute façon, j'ai plus qu'un PV. Et ben, genre apparemment... je peux sauter... Quoi? D'accord, donc je peux sauter... Je peux sauter plus haut. Quoi? Ok, très bien. Donc, ouais. J'ai oublié les boutons. En essayant de faire le truc, j'ai paumé les boutons. Donc, comment je vais faire pour monter? Alors, juste je me fais toucher et je monte comme ça? Ok. J'avoue, c'est une solution, hein. Mais maintenant que je sais qu'on peut marcher sur les boîtes qu'on a cassées, ça va aussi me changer un truc. Parce que là-bas, il y avait un endroit où je pensais... Bah non, il n'y avait pas de lune, en fait, j'avais déjà fouillé. Enfin, c'est cool quand même à savoir. Ouais, peut-être tout là-bas. Ouais, ça m'étonnerait qu'il y ait des lunes. Il y a déjà un panneau et tout, donc... Là-bas, il y a un truc en haut. Hein. Wouhou! Ça va être trop loin, non? Eh ben non. Wouhou! Ça, par contre, c'est un peu haut quand même. Attendez, quoi? Quoi? Pourquoi? Parce que j'avais pas retouché le sol, c'est ça? Si tu retouches pas le sol, tu peux pas rebondir sur le capi? Sérieux? J'ai oublié les boutons, mais j'oublie les boutons, là, je suis paumé. Ouais, d'accord, ok. Mais comment je fais pour m'élancer? Je sais plus comment on fait. Ouah, mais pas comme ça! Mais... J'ai un blackout, là. Dans tous les cas, il y a d'autres trucs aussi qu'il faut avoir, hein. Faut qu'on réussisse à rentrer dans... Oh là 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 là! Faut qu'on réussisse à rentrer dans ces portes.
Mais c'est pas possible, c'est beaucoup trop loin. Non mais quoi? Si déjà j'arrive pas à sauter sur ce truc, ça commence très bien. Faire des sauts muraux jusqu'à la fin? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il voulait qu'on fasse là? Quoi? Mais on peut pas aller si... je vais pas aller quand même dans un autre niveau, chercher Sivy, pour revenir ici et refaire ça quand même, c'est pas ça qu'il faut faire. Parce que je vais pas le faire pour les quatre chemins tout de même. Je me dis un truc quand même, parce que tout à l'heure, quand je suis tombé, ça m'a réinitialisé un truc. C'est genre... Si là, je saute dessus. Ouais. D'accord. Ok. Je sais pas si vous avez compris ce que je pense, mais... une fois que j'ai sauté sur le chapeau... D'ailleurs, pourquoi j'ai pas remis la casquette de Mario? Bref, à partir du moment où j'ai sauté sur le chapeau, je peux plus re-sauter dessus avant d'avoir touché le sol. Sauf que, quand je prends un dégât sur la lave, je touche le sol. Ce qui voudrait donc dire... que si je la joue bien, si je jette ma casquette au bon moment, etc., je peux sensiblement allonger mon saut. Regardez, comme ça... En visant un petit peu mieux tout de même. Et pourquoi les flonflons ils nous font rebondir au lieu de genre juste on pourrait marcher sur eux? Parce que genre ça me ferait gagner un petit peu de... Enfin de distance. Pas beaucoup, mais un petit peu. Oui! C'est bon, j'y suis! Punaise, je suis fier... Quoi? D'accord, ok. Bon, je suis fier de moi quand même. Mais comment je vais fichtre faire? Alors absolument pas comme ça. Aujourd'hui je suis pas réveillé. Genre je sais pas, j'appuie pas sur les boutons comme il faut en fait. Alors allons là. Ça l'a pas fait tomber? Quoi? Mais comment je déclenche sa tombaison? Attendez, mais pourquoi il veut... Il ne veut tomber que quand on se met dessus. Et il ne reste pas tombé. Mais c'est une blague. Mais parce que là-bas c'est la même. En fait faut que je trouve une technique. Et non mais c'est pas possible. Mais c'est quoi ce niveau? Bah heureusement que je le fais maintenant, parce que genre de toute façon il aurait bien fallu que je le fasse à un moment. Donc mais ouais, je suis trop chaud. Si j'avais peut-être attendu un tout petit peu plus longtemps, peut-être que ça l'aurait fait. Bon, essayons. Mais là, le problème, c'est que je suis pile dessus, en fait. Je suis pile dessus. Donc, j'ai pas d'autre solution, en fait. Surtout que je vois à peu près ce que je dois faire, hein. Là, ça paraît clair qu'après, il faut que j'aille à la lune qui est là en sautant là, parce que je pourrais pas tout faire. Ok. Ça, c'est ce que j'avais essayé de faire au début, mais j'avais pas réussi, mince. Ok. Parce que là, par contre, je suis trop loin pour y aller directement, hein. Et là, on peut pas faire la même chose? Je pense pas, hein. Ça m'étonnerait qu'on puisse faire pareil. Waouh! Pas mal. Ah, mince. Eh ouais, je m'en doutais. J'aurais dû, enfin... Si je m'étais pas fait avoir bêtement au début, j'y serais arrivé, en fait. Genre, très clairement. Ok. Pourquoi je me suis fait avoir... Ah, parce que ça glisse le truc, c'est pour ça. Mais j'avais fait comment? Parce que je vais pas pouvoir refaire deux fois la même chose. Ok, nickel. Attendez, il y a pas... Mais il y a d'autres lunes, mais je pourrais pas les avoir. Enfin, ça me paraît impossible. Déjà, là-bas, il y avait celle des Goombas. Celle des Goombas, ça paraît improbable. Oh mince, j'ai dévié. Yes! Yes! Punaise! Je suis trop content, j'ai eu deux lunes! Deux lunes. Il en faut combien? 10? Ah! Mais on pourra jamais faire la course! La course, il faudra parler au mec, comment on pourra lui parler? C'est impossible! Bon, ça c'est pas compliqué d'aller dans le tuyau, normalement. Wouhou! Waouh! Quand même! On n'allait pas tomber de l'autre côté! Oh, j'ai eu peur de prendre des dégâts. Parce que ça aurait été débile, j'aurais dû remourir. Bon! Mais maintenant qu'on sait faire, est-ce qu'on sait faire? Parce que je l'ai fait une fois. Ça veut pas dire que je sais faire. Ça veut dire que j'ai su faire. Oh mince. Oh, j'aurais dû retirer. Mais parce que j'aurais pu.
J'aurais pu boucler en retirant et tout. Et mais je comprends des trucs sur le game. Mais c'est quand même un peu compliqué, hein. Wouhou. Mais je crois que... Non. J'allais dire, je crois que c'est le niveau le plus dur que j'ai eu jusqu'à maintenant. Et en fait, maintenant que je sais faire... De ce que j'ai vu, ça l'est pas. C'est une blague. Mais j'y arriverai pas avec 2 PV, c'est bon, laisse-toi mourir. Allez. Mais sérieux. Ok. Mince, qu'ai-je fait? Ça paraît quand même un petit peu plus difficile comme ça, hein. Non mais j'aurais pu. Quoi? Ah bah mince, qu'est-ce que je fais? Mince, c'est débile. Quoi? J'y étais! Eh mais c'est vraiment pas facile. Non. Il faut déjà être à ce stade quand t'arrives là, quoi. Enfin, genre, faut être plus loin que ce que j'arrive à faire. C'est vraiment pas facile et ça me désespère. Ça fait 30 minutes que je tourne et j'ai eu 2 lunes! 2 lunes sur 10. Sérieusement? Oh là là, c'est vraiment déprimant. Et j'ai chaud, hein. J'ai trop chaud là. Le gros problème, c'est que je fais un truc qui me paraît être le mieux que ce que je puisse faire. Et c'est pas suffisant, et en fait, je refais. Et en fait, ce que je veux faire, je le fais bien. C'est pas ça, c'est-à-dire qu'à un moment de la stratégie, il y a un truc qu'il faut faire différemment. Parce que c'est pas moi qui me loupe, là. Mince, alors ça, par contre, je me suis carrément loupé. Enfin, j'arrive absolument au même stade, donc ça change pas grand-chose, finalement. Le nombre de fois où je glisse sur ça et que je tombe, les 3/4 de mes morts, c'est ça. Hein. Absolument relou. Je change de cap. Je veux aller là. Sauf que c'est en hauteur. Oh mince. Comme c'est en hauteur, ça me paraissait plus difficile. En fait, je sais pas parce que j'ai l'impression que je suis allé plus loin. Alors que je me suis loupé, complètement loupé. Donc si je le fais correctement, peut-être que j'y arrive mieux. Et mais ça m'énerve. Ça, c'est mon plus grand ennemi. C'est ça qui m'aura tué le plus de ce tournage. Wouhou. Ok, mince, qu'ai-je fait? Ah, c'est peut-être pas si bête. Y a pas un cheat code pour avoir une vie de plus? Genre juste un point de vie de plus. Je demande pas la lune là. Enfin, non, je demande pas la lune, je demande les 8 lunes. En fait, je panique à la fin, mais comme je rebondis sur la casquette, je pourrais la rejeter, je pourrais même potentiellement faire ça. Et ça, c'est pas mal. Faut que j'arrête de paniquer à la fin comme ça, parce que c'est ça la solution. Ok. Et mais ça se voit que ça n'a pas été fait pour qu'on monte dessus, en fait. Genre, on peut. Mais à la base de la base, c'était pas ça qui était prévu. Hein. Mince. Et comme la caméra n'est pas au-dessus de soi, c'est quand même difficile de savoir si on retombe sur le capi ou non. Allez. Non. Crétin. Pourquoi se jeter? C'est de ma faute. Yes! Il faut persévérer et on y arrive quand on persévère. Mais où sont mes verres? Je les ai perdus! Ok. Oh, mais il y a les petits bonhommes! Ils sont sympas, eux, non? Ils vont nous aider. Et si j'arrive à leur monter dessus déjà. Ouais, attendez. Moi. Bon, après, j'avais plus qu'un PV. On les garde, les petits. Oh, on les garde! Ah, mais c'est nickel ça! Mais attendez, mais je pense qu'on est sauvés là. Quoi? Fallait sauter grave en avance. Non mais, ah bah oui, mais normal. Non mais je me suis laissé avoir par leur... Par ma naïveté. Bah oui, mais il fallait pas. Bon alors, essayons d'avoir... Ouais mais attendez, en fait c'est plus simple je pense si je vais là. Et t'es obligé de me laisser genre... Ok, très bien. C'est pas grave, c'est pas grave, on en a eu un, là on peut en avoir un enfin un troisième. Je suis obligé de prendre un point de dégâts en fait à chaque fois, genre c'est ma malédiction. Ah, il y en a un là-bas. Haha. Wouhou. Très bien. Bon, je suis mort. Ah non, je suis pas mort, il est où l'autre? Ah, il est dans un coin pas difficile en fait. Wouhou. Bon, par contre, je suis mort là. Je suis quoi? J'ai réussi à me sauver. Très bien, je suis plutôt fier de moi. Je pensais pas être capable d'un tel exploit. Mais... Ça, c'était le jeu. C'est la collision qui était mal fichue. Ça stresse trop, l'halo, comme ça, sérieux. Ah, mais...
Attendez, tu te réchauffes quand tu restes comme ça en hauteur. Là, j'ai vu un truc. Alors, pourquoi pas. Ouais, mais attendez, il faut refaire le truc que je suis pas capable de faire, en fait. Enfin, j'ai réussi à le faire une fois. Mais... Non, non, mais je sais pas. Ah! Non. Attendez. Quoi, mais je peux pas changer de mur comme ça? Attendez. Attendez, remonte, Mario. Remonte. Ok, c'est pas ça qu'on veut, Mario. Ah, j'y arriverai pas, je sais pas comment on fait. J'ai très peur. Quoi? Pourquoi j'ai pas... Pourquoi je suis pas sauté sur Capi? Je sais pas, parce que là, il y a des... Je pense qu'on peut faire des sauts muraux là, mais... Oula, Mario, il est tout blanc. Hein. Mais je sais pas comment on fait pour monter si haut. J'ai réussi à faire un truc là. Ah ouais, on peut appuyer sur le bouton de saut. Ah, c'est bien sur le bouton B en fait. Je pensais que c'était le bouton de Capi, mais... Ok, j'ai... Oh punaise. Je viens de découvrir maintenant un truc qu'on me dit depuis le début. Comment je fais? C'est pas possible. Après, c'est peut-être juste pas possible, mais je pense que si quand même. Après, je saute pas assez haut. Ah, c'est... Je sais. Je pense qu'on peut échanger de... Attendez. En retirant Capi, on peut rechanger de côté. Ouais, mais attendez, mais faut que je monte tarpin haut. C'est une blague, ce jeu. Et mais là, je suis vraiment, je pense, à ma limite. Enfin, pas ma limite de patience, genre je pourrais continuer, mais... Enfin, je continue, d'ailleurs. C'est pas terminé. Mais je pense que je suis à la limite de mes capacités sur le jeu. Je pense que je suis pas capable de faire mieux que ce que... Ah, je me suis sous-estimé. Oh mince. Vas-y. Mais non, je suis là. Mais punaise, gros chien. La question maintenant, c'est... Comment j'avais fait? Un exploit que j'arrive à faire une fois. Il y a quand même pas beaucoup de chances que j'arrive à le faire une seconde fois. Ok, super. Je déteste ce jeu. Et je sais pas... Hein, j'y étais. Hein. Mais punaise. Mais je fais que de me tromper de bouton, ça me gave. J'ai pas besoin de faire un truc super compliqué en fait, genre ça marche tout seul. Et toi? Je comprends pas ce qui déclenche sa sortie, enfin je suis très content qu'il sorte, mais... Oh mon dieu. Ok, au moins il y a un bruit, donc on comprend. Oh oh, très bien, merci. Ah! En fait, faut être suffisamment bas. Ok, nickel. Bon, en fait, non, c'était extrêmement simple le truc en bas. C'était vraiment super simple. J'y suis pas arrivé parce que, genre, en fait, je m'imaginais que c'était plus haut, que c'était compliqué, mais en fait, c'était... Ça va, ça va. Par contre, il y a deux lunes dans chacun de ces trucs. Alors, le truc avec les Goombas, je me souviens. Où elle était? Quoi? Il y a un truc au fond. Mince. Trop dommage. Ok. Ok. Coffre au trésor du mur de glace. Très bien, très bien. Mais comment ai-je fait? Genre, j'ai fait que de me fail pendant une éternité de jours. Non, ça fait une éternité de minutes. Non. Et là, d'un coup, j'arrive tout. Enfin, tout. J'ai 4 lunes. Ok. Très bien, merci mon ref. Ouf, oh, oh, oh non. Quoi? Ouais, bon, en fait... Enfin, genre, je me suis compliqué pour rien du tout. Très bien, très bien. Bon, après, des fois, il faut... Faut avoir le courage, faut avoir les balls de se jeter dans la lave, parce que des fois, c'est de la fausse lave. Bon, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors... Essayons d'aller là. Bon, là je me tue parce que de toute façon avec un PV c'est impossible d'aller là-bas. Mais avec là 3 PV peut-être. Après on va voir la course des flonk. On pourra pas la faire la course. S'il va falloir parler au mec et tout, on pourra pas je pense. Punaise, et ce jeu me saoule. Et ce jeu me saoule. Bon, 3 fois que je meurs, c'est bon, reprenons nos vieilles habitudes. Ok, très bien. Ça va, ça va. J'y suis. Presque first try.
Faut que j'aille jusque là-bas. Y'a rien de planqué là, enfin genre... rien d'intéressant j'imagine. Ok. Quoi? J'aurais dû sauter, on aurait dû me prévenir. Ouais. Ça m'a pas l'air facile une fois de plus. Allez, on saute. Quoi? J'aurais dû sauter plus tard, c'est quoi le délire? Ça m'a l'air encore une fois extrêmement cool cet endroit, vraiment super cool, j'adore, j'adore. Je déteste. Oh, ok, j'ai réussi à re-sauter dessus, c'était pas ce qui était prévu, mais... Et mais je vais câbler, hein. Après, je pourrais peut-être faire autrement, essayer de faire un saut mural pour temporiser. Essayons de faire ça. Bon, je ne vois pas comment ne pas se faire toucher en arrivant, enfin, d'ici là. Plaît-il? Plaît-il? Ça ne m'amuse guère. Oh! Punaise, Capi! Capi qui le chope au retour, c'est pas possible ça. Essayons. Et mais on a le temps de rien. Et mais c'est pas possible. Enfin, je me demande même si c'est juste possible. Oh punaise. Bah, j'imagine que oui. C'est trop loin pour faire un saut mural, c'est pas possible. Si je me culbute contre le mur, peut-être parce qu'après, au demi-tour... Ouais, attendez, enfin pas au demi-tour, mais au recul, peut-être que je tomberai dans le tourbillon. Et on sait pas trop ce qu'il m'a en fait. Il y a un truc qui me touche et on sait pas trop ce que c'est. Et là en plus je suis bloqué. Je suis bloqué dans l'animation de feu. De lave. Super. Tout ça, ça me donne envie d'abandonner cette lune. Mais bon, j'ai pas eu trop de difficultés à venir dans ce passage. Donc je pourrais y revenir. Mais le problème c'est que... Okay. C'est que si j'abandonne trop de lune, bah c'est la mort en fait. Attendez, j'apparais où là? Ok, c'est bon, c'est bon. Mais si j'abandonne trop de lune, c'est la mort. Enfin, genre, il manque quand même 6. 6. Dans la porte qu'il y a là, où je vais peut-être un jour réussir à aller, il y en a maximum 2. Il y en a une. Enfin, il y en a peut-être même 0, en fait. Enfin, il y en a forcément. Mais genre de lune que je peux atteindre, bah, peut-être pas, en fait. Et mince. Débile, j'étais bien parti. J'aurais pu... Quoi? Il était dans la porte! Il était dans la porte! C'est pas possible, Maria, c'est pas possible. Je pense que tu pars rentrer dans la porte, tu te jettes pas comme ça. C'est obligé. Sinon, genre, tu meurs par la lave, bah, avant d'être warp. Donc c'est obligé, quoi. Et là, je vais trop loin. À la fin, je sais pas pourquoi, je perds mes moyens. Je panique. Et je vais trop loin. Peut-être qu'il y a une partie de mon inconscient qui dit « Ça va le faire, ça va le faire, regardez! Je suis plus loin que d'habitude! Donc je peux y arriver sans faire le rebond !» Sauf que c'est une option d'optique, j'allais dire. Non, c'est une illusion d'optique. Bah, ou pas vraiment, en fait, je sais pas. En tout cas, c'est une erreur de ma part. Ok. Vas-y. Il a pas voulu se mettre en boule, hein, je vous jure. Yes! Quoi? Fallait tuer un truc qui s'est donné une lune? Bah apparemment je l'ai tué. Il y a une autre lune aussi, hein. Ah, fallait tuer tous les iris! Ça le délire, fallait tuer tous les iris. Lui il va me gêner un peu, non? Et les iris sont morts vu que bah il y a de la lave. Attendez, mais comment je vais faire pour aller jusque là-bas? What? Ah! Eh bien pas comme ça, pour commencer! Bon, eh bien... Oui, oui, à chaque fois ça va me le dire, je pense. Il faut avoir celui qui est tout seul, il est trop loin. Je pourrais l'avoir, mais pas tout de suite. Lui, ça sert à rien, il est dans un... Eh ben merci, mon ref. Super. Lui, ça sert à rien de l'avoir pour l'instant, il est bloqué dans un enclos, donc c'est complètement inutile. Par contre, il va me saouler, parce que quand même, il me souffle dessus. C'est pas très sympa, mon ref. On est potes, non? Vas-y, très bien. Ils ont les mêmes yeux et la même bouche que genre...
Antasma. À chaque fois, il me rappelle Antasma de Mario Luigi Dream Team Bros. Bon, alors, voyons voir. Et bien, maintenant que je sais... Ok. Et bien, maintenant que je sais faire ça, ça change complètement la donne. Ça change vraiment tout, en fait. Genre, oui, merci, Siri. Siri me dit vraiment. Oui, vraiment, Siri. Parce que... Et vas-y, toi, arrête. Ça fait que maintenant... Oh mince, je peux me rattraper. Punaise! Ah, c'est pour ça que ça m'a vu tout à l'heure. Faut le frapper deux fois, c'est ça le délire. D'accord, j'ai compris. Bon allez. Comment on fait maintenant? Faudrait essayer d'aller jusque là-bas, c'est un peu loin quand même. Ah oui, bah oui, mais il va pas la renvoyer lui. Et toi, je peux te parler. Quoi, il y a de la lave? Ça c'est traître. Toi, KO. Ah ouais, mais non, je voulais pas aller dedans en fait. Ah bah quoique... Il y a une lune là-bas. Ça ne sert littéralement à rien ce que j'ai fait. Littéralement. Aïe. Ça par contre c'est très dangereux. Voilà. Mais il y a peut-être une lune quand même. Hein. Genre il y a une petite croix. Ça m'étonnerait que la croix soit là juste pour décorer. Ok, très bien. Oh oui! Et comme ça, en plus, je regagne mes vies sur la arche venteuse. Merci, la petite arche venteuse. On t'aime. Alors, Ah, va falloir que je me pose là, juste devant. Avant qu'il me pousse. Quoi? J'étais accroché dans l'autre sens. Pourquoi ils pourraient pas briser leurs enclos, là? Ça m'aiderait tout de même. Wesh, non. Non, non. Donc je t'aime bien, mais à un moment, faut que je sorte. Oh là là. Comme je l'ai dit à maintes reprises, et je le redirai jusqu'à ma mort, ce jeu serait tellement plus facile si on avait un PV de plus. Genre, bon, il serait extrêmement plus simple si on avait 3 de plus. Et là, j'en demande pas 3 de plus. Je parle juste de 6 de plus. Ça changerait tellement la donne, quoi. Allez, stop, 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 stop. Yes, très bien, très bien. On est peut-être sauvé. Peut-être. Parce que là, je sais pas si vous voyez, mais bon, vu qu'on sait jamais trop où il nous fait sortir, lui. Non, c'est bon. Ouh. Eh bien, voilà, les amis. Barrière des bourrasques. Avec encore 4 lunes. Surtout que... Dehors, il me semble qu'il n'y a aucune lune... Avant d'avoir battu les boss. Ah oh là là, chaud. Après, il y a un truc. Je suis allé voir sur une vidéo. Et apparemment, il y a quand même un truc que j'ai loupé bêtement. Mais après, genre, il faut s'en souvenir. Ok, non. Faut pas que je commence à perdre des vies maintenant. Ok. Très bien. Ok, et là-bas, normalement, il y a une lune. Là. Ah mince. Bah, j'étais pas bon, en fait. Mais il faut faire une attaque rodéo là, il y a une lune. Mais bon. Celle-là, je pense que je peux l'avoir. C'est peut-être pas si difficile. Mais les trois autres... En fait, le problème... Ça, comme je dis, c'est pas très difficile. C'est juste que, bon, c'est un peu à l'aveugle, quoi. Est-ce que je saute suffisamment haut? Non! Je sautais pas suffisamment haut. Ah. Ok, ok, je visualise un poco. Bon, alors ce que je voulais faire, c'était ça. Oh, oh, oh. Et mais c'est... Ben, c'est du carbando, quoi, donc c'est nul. Bon, au lieu de faire des dingueries où c'est à peu près pas étonnant que je perde, voilà. Sérieusement? Eh, mais j'y étais, c'était là. J'avais pas vu. Ok. J'essaye d'aller détruire au loin, mais j'y arrive pas, c'est trop loin. Ah là là, bon bah allons-y. Ok, et... Elle y est. Yes. Yes. Scintillant dans la neige du bourg, c'était un peu random ça. C'était vraiment un peu random. Bon, cela dit, est-ce que je peux me sauver? Je peux me sauver. Mais pourquoi faire? S'il reste 3 lunes, vraisemblablement inatteignables. Enfin, en fait...
Oui, parce qu'il faudrait que je batte les boss. Mais les boss, Ok. Ils sont pas en bas? Ils sont où? En bas, c'est la course. Je sais pas. Bon, bref. Super. Alors, me revoilà dehors. Bon. On sait pas si ça va nous avancer à grand chose, hein. Ça se trouve, c'est vraiment complètement inutile, mais... Allons-y. Il y a de l'eau, là, ou pas? Oui. Il y a quoi dans l'eau? Il y a de la lave. Ça, on sait. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors ça, c'est pas très safe, oui. C'est un peu très fin. À mon avis. Et après, je suis pas l'expert de ce jeu. Mais à mon avis, il n'y a pas de lune dehors. Accessible dehors tant qu'on n'a pas tant qu'on s'est pas occupé de l'intérieur. Oh punaise. Genre ouais, parce que là il devrait y avoir des lunes, tous ces endroits là il y a des lunes normalement, et là comme j'ai dit elles n'y sont pas. Ça c'est pas très safe, j'aime pas trop cet endroit. Mince, bah je suis mort. Okidoki. Eh bien les amis, cela fait désormais 1h20 que je tourne cet épisode. Je n'ai eu que 7 lunes sur 10. Je pense que je vais solliciter votre aide. Dans les commentaires de cette vidéo, dites-moi où sont les lunes que je peux avoir. Parce que je ne sais pas, je n'y arrive pas. Et il le faut bien pour que je passe à la suite. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'ai besoin de votre aide, puis je vais aussi aller regarder la vidéo. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour le 11e épisode de Super Mario Odyssey, le sorcier de la lave. Salut.